Aujourd'hui, nous allons voir comment faire des sandwichs niveau max en illimité. Dans cette version, nous pouvons créer des sandwichs qui optimisent la rencontre des Pokémon Shiny, le type des Pokémon recherchés, le taux d'obtention des œufs et bien d'autres. Comment faire pour créer des sandwichs de niveau max à volonté? Habituellement, ce qu'on faisait, c'est qu'on sauvegardait. Ensuite, on concevait notre sandwich de niveau max. Et si on trouvait pas de Shiny, on quittait. Pour ensuite revenir sur sa sauvegarde afin de ne perdre aucun ingrédient. Mais lorsqu'on tombe sur le shiny, bah on l'attrape et ensuite on sauvegarde. Ce qui nous fait dépenser obligatoirement des épices secrètes. Mais là, nous allons voir comment créer un sandwich de niveau max sans dépenser aucune épice secrète. Pour cette méthode, vous devrez avoir l'abonnement Switch pour évidemment vous permettre de vous connecter en ligne sur le jeu. Et aussi un ami disponible qui a deux épices secrètes en sa possession. N'importe lesquelles, juste deux épices secrètes. Ensuite, plus qu'à se connecter en ligne avec votre ami et de créer un club union. Sauvegardez au préalable. Une fois dans le club union avec votre ami, il vous faudra faire un pique-nique ensemble. Maintenant, vous n'avez plus qu'à créer un sandwich en duo. Vérifiez bien d'avoir le message qui vous confirme que vous êtes deux participants sur deux pour la création de la recette. Maintenant, plus qu'à lancer. Alors comment faire un sandwich de niveau max sans perdre aucun ingrédient? Pour cela, rien de plus simple, demandez à votre ami de créer le sandwich que vous voulez. Pour bénéficier des effets du bonus, vous devrez y participer aussi, en mettant obligatoirement une garniture et un condiment pour valider la recette. Donc je vous conseille de mettre une garniture similaire à la recette pour ne pas altérer son effet. Ou sinon n'importe laquelle, mais dès que vous serez en préparation de la recette, supprimez la garniture en cliquant dessus. Et en condiment, utilisez du beurre. Le beurre a la particularité de ne pas altérer les effets de la recette. Une fois que vous avez créé votre sandwich en duo avec votre ami, plus qu'à sortir du pique-nique. Pour ne perdre aucun ingrédient utilisé pendant le pique-nique, votre ami aura juste à quitter le jeu. Cela va lui permettre d'avoir toujours les ingrédients en sa possession quand il va revenir sur sa sauvegarde. Donc plus qu'à réitérer la technique pour faire des sandwichs de niveau max à l'infini. Donc cela vous aura coûté 0 épice secrète. Et voilà, maintenant vous êtes boosté au max, plus qu'à chasser du shiny. Donc faites la technique aussi de même avec votre ami pour qu'il en profite aussi. En conclusion, j'espère vraiment vous avoir aidé avec ce petit jutsu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous avez besoin de partenaires sur le jeu, si vous avez besoin d'aide ou pour faire des échanges ou participer à des raids, vous êtes les bienvenus. Lien en description. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas manquer mes futures vidéos sur Pokémon Écarlate et Violet. Sur ce, merci du soutien, à très bientôt, Zdito Gang. Ciao.